Yo, bien ou bof? Ouais, on a fait match nul. Bah ouais, on a fait match nul. Et alors, Cagenet? Bah oui, Cagenet, la Ligue 1, on la gagne tous les ans, on en a rien à être fou. Il est marrant, la Luis. Moi, chier, moi! Alors, ok, on a fait 1-1 contre les Strasbouffons, chez eux en plus. Mais nous, on a la tête en Ligue des Champions, pas en Ligue 1, you know? Puis en plus de ça, on avait à peu près environ dans les 452 points de plus que toutes les autres équipes. J'en ai rien à être fou, je t'ai dit. Moi, chier, moi! Je suis sûr que notre président Nasser, il a appelé Thomas Tuchel pour lui dire: allô, monsieur Thomas, avec tous les points d'avance que nous avoir, il faut laisser jouer au repos. Oui, Marvel, reposer, oui. Et Thomas Tuchel, il a répondu: Oui, moi, maître équipe baisse et... Comment on dit, Fritz France? Ah oui, moi, maître équipe baisse et jouer ralenté. Moi, chier, moi! Puis façon, en vraie vérité, match nul contre les Strasbouffons, cieux, mais on a toujours pas perdu, ma gueule. Ha! Moi, chier, moi! Et puis, malgré le mouvement des gilets jaunes, on a toujours pas pris de veste. Ha! Moi, chier, moi! Et bien évidemment, c'est toujours les mêmes GX qui sont là, craint de dire: ouais, mais avec ton équipe à 1 milliard, mais tu fermes ta bouche d'égout, bécile! On n'a pas tout le temps, nous, ma gueule! Donc, moi, tout, qu'est-ce que je sais, c'est que les GX qui veulent nous voir perdre notre premier match de Ligue 1 peuvent toujours attendre, poteau. Ha! Moi, chier, moi! Bref. Bon alors, qu'est-ce qui s'est passé pendant ce match, hein? Qu'est-ce qui s'est passé contre les Strasbouffons? Eh ben, il s'est passé que Kefrère, il croyait trop qu'il était gardien. Ouais, Kefrère, il croyait qu'il était gardien. Kefrère, rien que tu fais des mains, frère. Pourquoi faire? Pénance! Et du coup, bah, les Strasbouffons, ils ont marqué sur penalty, voilà. Fais chier, ça, j'étais vénéré, mais vas-y, c'est bon, je t'en veux pas, parce que tu fais du bon boulot en général, mais que je t'y reprenne plus, ma gueule. Bref. À part ça, qu'est-ce qui était cool, c'était le retour de mon gars sûr Cava Magnifique. Ça fait zizi. Et en tant que capitaine, en plus. Ça fait zizi. Et le deuxième truc, qu'est-ce qui était cool, c'est la rentrée de Mbappétard en deuxième mi-temps. Ça fait zizi. Parce qu'en vraie vérité, Mbappétard, il devait pas wesh, en vraie vérité. Bah oui, il était en train de faire une teinture, même qu'il a dû interrompre son RDV chez le coiffeur pour traire sur le terrain. Moi, chier, moi! Donc Mbappétard, il est arrivé, il a dit: ok, je viens dès, qu'est-ce qui se passe? Et il a commencé, qu'est-ce qu'il a fait? Bah, il a commencé à rendre fou la défense des Strasbouffons! Et il y a eu penalty. Bah oui, t'es obligé de faire des fautes avec des mecs comme lui. Bah oui, sinon tu peux pas. Mens pas, tu peux pas. Tester Kylian, tu peux pas. Moi, chier, moi! Donc c'est Cava Magnifique qui s'en est chargé, il a frappé, il a déchiré les filets, il a égalisé. Ha! Ça fait zizi! Et j'en profite aussi pour féliciter mon gars sur Areola pour sa magnifique parade qui nous a sauvé en fin de match quand même. Ça fait zizi. Donc comme je t'ai dit, Strasbourg-Saint-Denis, Strasbouffon ou pas, on a toujours pas perdu, you know. Bref. Puis j'en profite aussi pour dire que j'étais très bien content d'apprendre que la blessure de Neymar Ven n'est pas si grave que ça, qu'il va faire son retour dès ce week-end à l'entraînement. Yes, week-end. Et surtout qu'il sera bel et bien présent lors de notre prochain match en Ligue des Champions contre les Fesses Rouges de Belgrade. On y croit, les potos, on y croit. Du coup, et ouais, ben... mais avec ton équipe à 1 milliard... Quoi, t'es encore là, toi, bécile? Marchuneur! Bref. Sinon, bon, bah, le match du week-end prochain contre les Montpelliérains, et ben, il est annulé. Mais t'inquiète, je m'inquiète, les Montpelliérains. Vous payez rien pour attendre. Votre fessée, vous allez la prendre comme tout le monde. Je s'occupe de tout, je s'occupe de rien, you know. Moi, chier, moi! Bah oui, le match, il est annulé à cause que les gilets jaunes, ils sont vénérés. Et ils ont bien raison, moi aussi, je suis vénéré. Parce que moi aussi, je commence à en avoir grave marre du système de la société, là. Macron, ma courte, tout cela, vous commencez à me vénérer. Parce que ça commence à bien faire de prendre les cons pour des gens. Je les marre. Alors, force aux gilets jaunes. Moi, chier, moi! Donc voilà tout, qu'est-ce que je pouvais dire sur ce match. Ah oui, je le dis jamais, tous les autres ils le disent. Bon bah moi aussi je vais le dire. Balance un pouce bleu si la vidéo t'a plu. Ah bah oui, balance un pouce bleu, et alors, qu'est-ce que je n'ai? Bah oui, ça fait toujours zizir un petit pouce bleu quand même. Arrête de faire le varcreux, ma gueule. Pinaise. Bah à part ça, moi je te donne rendez-vous mardi pour faire rougir les fesses de Belgrade. On connaît les bails. Salut.